À chaque fois, je me retrouvais à des conférences de féminisme où j'adorais ce qu'elles faisaient et j'adorais vraiment tout ce qu'elles disaient, mais je me sentais jamais représentée, j'arrivais jamais. Comment dire, tu sais, quand tu regardes une série et puis tu dis ah ouais, ce personnage, ben, ça pourrait être moi, ben moi, jamais. Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah. Et à mon micro, des personnes se racontent au cours de discussions intimes et libres. Dans ce 13e épisode, on parle avec Evan, mon amie d'enfance. On a grandi ensemble, entourés de normes étranges de notre vallée natale et de la société plus généralement, avant de s'en distancier et surtout de se frayer notre chemin et s'engager à nos manières. Evan avec son projet musical et visuel Omu, mais aussi sur les réseaux sociaux via son compte militant Tape à l'air autiste. Et comme j'apprends toujours beaucoup à son contact, j'ai décidé de ne pas être Adine et de partager ça avec cette interview. Avec Evan, on a discuté de lutter contre le validisme, soit contre les discriminations envers les personnes handicapées, de pourquoi ça ne sert à rien d'attendre sur les institutions, et de représentation. Bonne écoute! 3, 2, 1... Voilà! C'est absolument pas synchro, ça commence bien. Bon, en tout cas, merci Evan d'être là. Je suis très contente qu'on fasse ça aujourd'hui. Surtout que c'est une installation homemade pour le coup. Et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour faire cette interview. Parce que non seulement je suis ce que tu fais depuis très longtemps, mais surtout parce qu'on se connaît depuis qu'on est des bébés et on a eu le temps de se voir évoluer et de voir évoluer aussi nos engagements. J'adore comme tu dis « ouais, je te suis depuis longtemps » alors que, genre littéralement, genre déjà quand on était dans le ventre de notre maman, on se connaissait déjà un peu, donc c'est... C'est vrai. Vu que moi, je te connais quand même assez bien, mais que c'est peut-être pas le cas de tous les auditeurices, est-ce que tu pourrais juste te présenter en quelques mots? Je m'appelle Evan, je suis Omu sur internet et même dans tout mon projet artistique, qu'il soit musical ou visuel, je suis sous le pseudonyme de Omu. Je fais de la musique depuis pas mal d'années maintenant et je fais de l'illustration depuis toujours et j'essaye de mêler un peu les deux pour créer mon monde. Et puis dernièrement, ça doit faire maintenant un an, j'ai créé la page Tape à l'air autiste sur Instagram pour permettre de témoigner sur l'autisme aux personnes qui sont autistes et aussi être un endroit d'information sur l'autisme, mais de manière plus générale sur l'antivalidisme. Ok. Et c'est drôle parce que là, c'est vraiment les choses formellement que tu montres sur les réseaux et tout ça. Et là, tu parles de l'engagement militant via Tape à l'air autiste et autres, mais rien que dans toutes les formes d'art que tu exploites, il y a toujours un côté engagé. Il y a toujours des messages qui passent. J'ai l'impression que ça, c'est déjà un truc important pour toi. Ben grave, en fait, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre, mais après chacun sa manière de voir et de s'exprimer, tout ça, d'un art qui ne serait pas engagé, en fait, pour moi. En fait, art, pour moi, c'est par essence engagé, ça peut pas sortir d'une situation actuelle, de la situation dans laquelle tu vis, ça doit forcément être une critique à quelque part de la société ou de ce qui t'entoure. Et c'est aussi une manière de s'exprimer différemment pour pouvoir sortir des choses qui sont pas forcément faciles à exprimer avec des mots ou dans une société qui te permet pas de les exprimer dans les médias ou juste en société. Voilà. Et t'as l'impression que c'est à quel moment, par exemple, que ton féminisme, il a commencé à s'exprimer via ça? Ah, c'est hyper dur. Je pense que j'avais déjà des idées assez féministes quand j'étais assez jeune. Sauf que j'avais pas du tout le mot pour l'écrire, genre vraiment pas. Très vite, j'étais vraiment mal à l'aise avec, de toute façon, tout ce qui touche au genre. C'est-à-dire que quand j'étais un enfant, ben,
je me faisais harceler parce que je portais des habits qui n'étaient pas forcément féminins. Je dirais pas que j'étais un garçon manqué, mais je mettais un peu ce que je voulais comme habit. Et du coup, genre rien qu'une chemise, c'est quand t'as 10 ans, ben ça faisait un peu tache où je vivais, dans un village et tout ça. Donc, et puis même, j'avais mis une fois des chaussures qui étaient pas forcément très féminin et je m'étais fait harceler pour ça aussi. Puis en fait, à force de te faire harceler, ben c'est pas que à 10 ans tu te dis ah tiens, je suis féministe en fait, mais c'est juste tu dis ah ben en fait, il y a un truc qui me saoule mais j'ai pas encore les mots pour décrire vraiment quoi. Et puis le féminisme, il s'est aussi petit à petit formé dans ma tête parce que très tôt en fait, j'ai été chercher sur internet tout ce qui est un problème pour moi dans ma vie, c'est-à-dire ben, le fait d'être exclue, harcelée, tout ça. Du coup, j'ai cherché aussi mes symptômes par rapport à ça. Je suis tombée sur l'autisme, je suis tombée sur des choses des forums qui parlaient d'homosexualité. Enfin, je connaissais pas encore le mot bisexualité, mais du coup, je me suis dit, ah, ben, en fait, il y a d'autres manières d'être. Puis c'est surtout Internet en fait qui m'a permis de petit à petit créer tout ça dans ma tête, mais ça a pris. Disons que quand j'ai vraiment commencé consciemment à me dire féministe et à créer avec ce mot entre guillemets dans ma tête, c'était pas avant mes 19, 20 ans, ouais, quelque chose comme ça. Mais avant, j'avais déjà un peu sous-jacent, quoi. Mais de ce que je me souviens aussi, et là quand tu parles de ça, ça me rappelle le fait que ben on était déjà amis à l'époque et déjà on cherchait à trouver du soutien via les réseaux sociaux et pour ce que c'était à l'époque, enfin Fruity Park, certains connaissent peut-être, Genre Fruity Park, j'ai passé ma vie et mes étés dessus, genre sur le forum, enfin. exactement, mais je sais pas si toi t'as ressenti ça, mais moi je sais que j'essayais de me fondre dans la masse, mais vraiment très fort, en me suradaptant et aussi en essayant d'emprunter à des codes, quand bien même je les aimais pas trop, mais juste pour rien que qu'on me laisse de l'espace en fait. Et je sais pas comment toi tu naviguais là-dedans. J'ai pas du tout vécu ça de la même manière parce qu'en fait, je comprenais pas les codes. Même si j'essayais de les comprendre par instinct de survie, en fait, j'arrivais jamais à être dans les codes, même si j'essayais au plus profond de moi. Genre, par exemple, une fois, genre, on est allé avec ma mère acheter une veste Carhartt juste pour avoir la marque. Qu'il y avait au cycle, mais en fait même ça faisait tache parce qu'en fait à côté de ça j'avais les cheveux extrêmement courts quand j'étais au cycle. Le cycle c'est le collège mais en Suisse hein, si jamais. Et du coup en fait je comprenais pas pourquoi ça faisait tache que j'avais les cheveux courts, puis je comprenais pas ce qui dérangeait dans mon comportement non plus, puis en fait je mettais des habits qui allaient jamais, en fait, pour personne. Enfin, il y avait toujours quelque chose à redire. Je comprenais pas qu'à un moment donné, il fallait mettre des soutiens-gorge. Je comprenais pas qu'à un moment donné, il fallait s'épiler. Je comprenais pas qu'à un moment donné, il fallait se maquiller. Ça me fait penser à un truc horrible que je t'avais envoyé en message où je t'avais dit quand on était pré-ado qu'il fallait que tu te maquilles. Qu'est-ce que c'était cette histoire? Oui, l'histoire, c'est que j'étais venue chez toi et je voulais juste venir jouer parce que je sais pas, je crois que j'avais 11 ans, puis ben, à cet âge-là, tu joues encore à cache-cache, je sais pas ce qu'on foutait chez toi. Et puis là, d'un coup, tu me sors genre une sorte de boîte et tu me dis, ouais. Ce serait bien quand même qu'on prenne soin de nous. Et puis du coup, tu m'avais genre appliqué de la crème genre Nivea sur la gueule ou je sais plus. Tu m'avais mis genre, je sais plus si c'était du fard à paupières ou genre du eyeliner. Un truc qui paraissait complètement genre what the fuck pour moi en mode oh mon dieu, en fait, je fais pas du tout ce que je devrais faire. Et en fait, je sais pas du tout ce qui se passe, mais apparemment, je dois mettre de la crème sur la gueule tous les jours de ma vie Tu as 10 ans, Evan, c'est comme ça. mais c'est trop ça. Mais la période charnière, j'ai l'impression, 10, 11, 12, 13 ans, c'est hyper violent, je trouve,
pour tout le monde, parce que c'est à ce moment-là où vraiment, bon, déjà avant, mais encore plus, là, c'est vraiment hyper ancré que tu vas devoir te mettre dans la case homme et la case femme. Et puis, il va y avoir les normes qui vont avec. Et même quand on était au cycle, donc au collège, il y avait des gens qui commençaient à se mettre en couple. Et ça aussi, mais c'était un truc, ça me donnait tellement d'angoisse parce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi il fallait être en couple et se donner la main à la récré. Pour moi, en fait, je comprenais rien du tout. Et plein de normes comme ça, très, très genrées, parce qu'en plus, les gens qui sortaient ensemble à ce moment-là, ben, y avait aucun couple homo, c'était tout le temps garçon-fille, puis il y avait un truc où les filles restent quand même pas mal entre elles et les gars restent entre eux. Non, mais c'est clair, et les populaires, eh ben, c'était les personnes qui sont en couple avec quelqu'un depuis longtemps, parce que super, cette norme hétérosexuelle. Et puis je me souviens qu'il y avait aussi plein de slut-shaming, une meuf qui enchaîne les mecs. Oh là là, mais qu'est-ce que ça signifie? Enfin, c'est clair qu'on n'a pas grandi dans le milieu où c'était le plus ouvert, fluide et autre. Je me demande si maintenant les choses, elles sont pas un peu plus ouvertes quand même, tu vois. Je pense que oui. Je sais pas comment c'est, où on vivait, parce que nous, on a vécu en Valais, en Suisse, mais j'espère quand même que maintenant, c'est un peu moins chiant, quoi. Je sais pas comment toi, tu l'as ressenti, mais avant, tu parlais du fait de pas avoir eu le terme et que c'est après que t'as pu comprendre et mettre des mots sur des choses que tu ressentais où c'était pas ok, ou ça correspondait pas à ton vécu, tes ressentis ou tes envies. Et personnellement, j'ai l'impression que j'ai dû m'en extraire et que du coup, bah, c'était quand j'avais 18-20 ans et que j'ai commencé, en l'occurrence, des études dans d'autres villes. Mais que quand je vois la nouvelle génération, et mon Dieu, on dirait que j'ai 8 ans quand je dis ça. Calme-toi. Mais du coup, quand je vois les jeunes de maintenant, c'est de pire en pire. Les ados, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et que de connaissance aussi des enjeux sociaux. En tout cas, pour ma part, ça a été super tard et qu'il fallait m'extraire de là pour pouvoir développer mes propres pensées. Est-ce que ça a changé pour toi quand tu t'es extraite de ce milieu un peu fermé, en fait, et très normé? Je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression d'avoir forcément eu un déclic du jour au lendemain, comme à peu près tout, en fait. Moi, ça s'est plus fait sur la durée, mais pour plein de choses, pas que pour le féminisme. Tout ce qui est lié à mon diagnostic d'autiste, il m'a fallu 13 ans pour mettre les mots dessus, de mes 10 ans à mes 22-23 ans. Tout ce qui est lié au véganisme, il m'a fallu pareil, des années avant de vraiment faire le pas d'être végétarienne d'abord à 20-21 ans, et ensuite de devenir végane. Et puis pareil pour le féminisme, en fait, j'ai l'impression que c'est plus un truc sur la durée, où il y a des petits checkpoints, disons. Mais il n'y a jamais, un déclic où je me dis « Ah oui, c'est ça, en fait ». Parce qu'en fait, les mots, ils sont importants, je pense, pour savoir de quoi on parle, mais tous les ressentis que j'ai aujourd'hui, je les avais déjà avant. Quand j'étais en cours de philosophie au collège et donc au lycée pour les Français, et que le prof de philo parlait d'un philosophe qui disait que les femmes et les handicapés pouvaient pas voter parce qu'ils étaient vus comme des sous-humains. Et j'osais rien dire, mais ça me faisait péter un câble tout le temps. Et le moindre petit truc comme ça, ça me faisait tout le temps péter un câble. Et effectivement, d'avoir les mots et de savoir que d'autres personnes, ça leur fait aussi péter un câble, ça m'a permis de me dire « Ah, en fait, je suis normale », alors qu'avant, j'avais ces déclics, entre guillemets, de dire « Ah bon, en fait, c'est pas normal », mais je restais dans mon coin, énervée, parce que je me disais que j'étais la seule personne à réagir par rapport à ça. Mm-hmm. Et quand tu parlais avant de « checkpoint », c'est dans le sens où t'as l'impression que ton féminisme, il a eu des étapes ? Ouais, je pense que dans ma vie personnelle, il y a eu plein de changements, en fait. J'ai dû déconstruire plein de trucs, que ça soit lié à mes parents, et ça a pris du temps. Est-ce que ça soit aussi mes relations amoureuses, ça a pris aussi énormément de temps. Et en fait, les checkpoints, c'est
à chaque fois où je regarde derrière moi, je me dis, ah oui, en fait, j'ai quand même bien évolué. Puis ensuite, je me retrouve dans un truc nouveau, pas forcément hyper safe pour moi. Puis j'en sors, puis je me dis, ah mais oui, en fait, je mérite mieux. Puis en fait, je vais de plus en plus vers le mieux comme ça. Dans le féminisme, c'est pareil. En fait, c'est petit à petit déconstruire ce qu'on m'a mis dans la tête, petit à petit. Comprendre qu'il y a des convergences entre le validisme et le sexisme, petit à petit comprendre qu'en fait je suis une personne handicapée et que si je me retrouve, je me sens pas forcément représentée dans le discours féministe valide, c'est pas pour rien, c'est que en fait il y a des choses qui m'invisibilisent, etc. Puis c'est des petits checkpoints de compréhension à chaque fois où je me dis, ah mais oui, en fait, j'étais énervée parce que ça. Je mets le doigt sur des choses petit à petit comme ça. Et puis qui font aussi que j'imagine que ta pensée autour de ces enjeux, elle peut se construire, mais avec plein de différents inputs. Le premier réflexe, quand tu réalises une violence qui t'est faite ou quelque chose qui te crée des tensions internes, bah c'est d'abord d'être en colère. Et après, tu peux construire là-dessus. Bah oui, c'est ça, c'est que des fois, quand je parle avec des gens, ils se rendent pas compte qu'en fait, avant de pouvoir intégrer un truc, il faut déjà le ressentir et puis il faut déjà conscientiser. Et après, tu peux mettre des mots dessus. Mais tant que tu ne l'as pas ressenti et que tu ne te laisses pas ressentir aussi les choses, ben forcément, tu vas pas les voir et tu vas pas pouvoir écrire dessus. Il y a plein de fois où je me suis dit, ah, je vais trop. Écrire un livre sur le validisme ou je vais trop écrire un livre sur ma vision du féminisme et je suis là mais en fait il y a tout un temps aussi de compréhension de juste vivre les choses et puis ça doit prendre le temps qu'il faut pour les intégrer et pareil en ce temps de confinement en fait je me suis dit ah je devrais trop écrire plein de trucs mais en fait il faut aussi avoir le recul derrière enfin tu vois. Je sais pas si je réponds vraiment à la question, Si, mais. si, et puis le but, c'est que aussi on puisse parler librement et s'enlever ces choses, ça nous permet de pouvoir avancer tranquille et puis aussi pouvoir digérer. Comme tu disais aussi avant, pour que ce soit l'autisme et le validisme général de la société, bah, entre tes premiers questionnements pré-ado jusqu'à ton diagnostic, il a fallu quasi 15 ans. Du coup, c'est normal que ça prenne du temps, mais moi, je me réjouis de lire ton livre pour déconstruire le validisme, hein, je ne suis pas contre, de loin pas. Et même, tu l'as d'ailleurs noté sur ton compte, c'est hyper important d'intégrer le validisme, mais vraiment de manière beaucoup plus active aux réflexions féministes. Est-ce que ça, tu pourrais l'expliquer un peu? Grave, grave, je pense qu'on est hyper invisibilisé et faut justement prendre ce temps, même en confinement, pour en parler parce que c'est d'actualité. C'est que moi, je pense vraiment qu'on peut pas avoir une pensée féministe si on met de côté les personnes qui ont un handicap, enfin, genre vraiment, les personnes malades. En fait, c'est pas du féminisme pour moi, c'est juste reproduire le patriarcat et la domination et le capitalisme. De tout le temps exclure les femmes et les personnes handicapées des discours. Et ça, les gens, quand tu leur dis ça, ils disent oui, c'est vrai, tu as raison. Dans la théorie, ils sont tous d'accord, ils sont là, mais oui, c'est vrai, on devrait plus parler d'autisme, on devrait plus parler des personnes handicapées, etc. Mais dans les faits, actuellement, c'est n'importe quoi pour l'instant. Enfin, les espaces sont pas du tout faits pour accueillir les personnes handicapées en tant que spectateurs déjà, mais aussi en tant qu'intervenants. Par exemple, tu vois, genre, j'avais suivi la conférence de Paul Preciado et Virginie Despentes à Genève, et Paul Preciado il disait, ouais, en fait, il y a les personnes qui sont en fauteuil roulant, en fait, elles peuvent pas venir ce soir parce que... Ben, il y a des escaliers et que c'est trop compliqué et il faut aussi penser à ça parce que ben du coup on a une audience certes mais elle n'est pas représentative de tous les engagements féministes et c'est ça aussi enfin rien que physiquement c'est déjà un souci parce qu'il y a des gens qui se retrouvent exclus par exemple j'avais participé à un événement et puis j'étais à un stand et une personne qui adorait mon travail elle a dû être portée sur le dos d'une autre personne pour pouvoir voir mes illustrations sinon elle aurait
pas pu venir en fauteuil roulant à mon stand parce qu'il y avait des escaliers. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais c'est hyper important. Et pour revenir à l'autisme, parce que j'ai pas un handicap de mobilité réduite, etc., mais on est tout le temps invisibilisé dans le féminisme qui se dit inclusif, mais finalement, c'est souvent un féminisme assez blanc, assez cisgenre, assez hétérosexuel, assez valide. Et moi, je me suis jamais retrouvée dans le féminisme vraiment qui m'exclut, en fait. Et il m'a fallu vraiment des années pour comprendre ça, parce que à chaque fois, je me retrouvais à des conférences de féminisme où j'adorais ce qu'elles faisaient et j'adorais vraiment tout ce qu'elles disaient. Mais je me sentais jamais représentée, j'arrivais jamais, comment dire, tu sais, quand tu regardes une série et puis tu dis, ah ouais, ce personnage, ben, ça pourrait être moi, ben moi, jamais, dans les discours féministes, j'ai eu ce déclic-là face à une autrice ou un autre média féministe. Et la première fois que c'est arrivé, c'était cette année. À une ou deux reprises, par exemple, j'étais voir Alistair à Lyon qui parlait d'handicap et de théâtre parce que lui fait du théâtre. Qui d'autre En fait, il n'y avait pas de modèle. Oui, il n'y avait aucun modèle. Et pareil, là, je commence à être en contact avec des amis qui sont autistes et du coup, on fait des sortes de cafés, où, enfin, on se voit dans un café et puis on en discute. J'ai eu une discussion justement sur la santé mentale des personnes queer et là, j'ai pu parler d'autisme et je me sentais représentée. Mais sinon, c'est très rare en fait. Et je pense qu'il faut aussi que les personnes, les féministes valides, comprennent ce besoin qu'ont les personnes en dit de se retrouver que entre eux, entre elles, eux, parce qu'en fait, on n'est jamais représenté dans les discours. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être l'accessibilité, ça peut être les relations amoureuses et la sexualité. En fait, on n'est souvent jamais représenté. Que ce soit les comptes Instagram ou même j'avais vu Ovidie que j'aime beaucoup, mais ben, je me sens pas du tout représentée en fait. Et je me suis jamais sentie représentée parce qu'à chaque fois, quand on parlait de féminisme radical, c'était souvent ben, que forcément, si je couchais pas pendant un an, ou 6 mois, ou 3 mois, ou je sais pas, ben c'était forcément je devais me sentir mal par rapport à ça, tu vois. J'ai l'impression que parfois, ce qu'on nous dit sur... en déconstruisant par exemple le slut-shaming, dès lors que tu es assignée femme ou autre, ça s'ajoute d'une autre injonction à avoir envie de coucher avec plein de gens, etc. Alors qu'au final, je pars assez du principe que tout le monde fait ce qu'il veut de son cul ou fait ce qu'il ne veut pas aussi. C'est ça, en fait, moi je suis tout à fait contente de tout ce qu'a amené, disons, le mouvement sex-positive, sex-négative, etc. dans le féminisme, c'est-à-dire ben, tout ce qui est question de consentement, tout ce qui est question de... Ben, en fait, le corps d'une femme ou le corps d'assignée femme, c'est pas tabou, et puis en fait, on fait ce qu'on veut, et puis on montre ce qu'on veut, et puis mes seins sont pas obscènes, enfin, plein de choses comme ça qui aident énormément. Mais du coup, c'est souvent des corps qui sont valides, qui sont représentés. Et des corps minces, c'est pas forcément gros. Moi, j'aimerais franchement voir voilà, des films porno féministes. Parce qu'en fait, moi, quand je regarde des films porno féministes, en fait, j'ai toujours frustrée et je me sens juste mal parce que j'ai toujours l'impression que les gens dans ces films, eh ben, ils couchent hyper souvent et ils ont trop d'expérience. Et puis en fait, j'aimerais aussi voir juste une personne autiste ou handy qui a des relations sexuelles, mais qui n'est pas forcément dans l'hypersexualité non plus. Enfin, je sais pas comment dire. Mm-hmm. Mais que le désir, en fait, que le désir, rien que ça, soit représenté sous une autre forme. Peut-être que la sexualité ou l'attirance... Pour une personne, on peut la représenter autrement. De toute façon, la sexualité, c'est un spectre, mais je suis plus en train de dire qu'il y a un manque de représentation. Je prends l'exemple de la sexualité ou du porno ou comme ça, parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon exemple qui représente la société, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à imaginer la sexualité des personnes on dit, ben ça prouve
qu'en fait, on les imagine pas autrement que à leur caste de personnes on dit comme le veut la société. Enfin, je sais pas si. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, bah, c'est aussi que l'effort que toi, tu fais peut-être pour te retrouver dans un groupe ou dans un espace où il y aurait beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de stimuli, etc. Toi, tu as pris l'habitude au fil des années de t'adapter. Mais à l'inverse, rien que pour là, notre enregistrement, ben, il n'y a absolument rien qui est fait pour, par exemple, avoir de la langue des signes. J'ai l'impression que parfois, l'effort. Et je m'inclus totalement dedans, hein, que l'effort que les personnes qui ont des handicaps peuvent faire pour sortir ou pour interagir avec autrui, bah le contraire n'est pas forcément réciproque, tu vois, d'inclusivité et C'est d'accessibilité. ça, c'est qu'en fait, quand t'es une personne autiste, enfin, j'ai parlé de l'autisme parce que voilà, enfin, c'est mon handicap. Tu dois tout le temps te suradapter pour pouvoir sortir de chez toi, que ça soit sensoriellement, que ça soit socialement. Les gens, ils se rendent pas compte et je pense que les personnes autistes, même, à force de le faire, t'oublies que en fait, t'es tout le temps en suradaptation. Et c'est pour ça que tu peux tomber facilement en burn-out sans t'en rendre compte, parce qu'au bout d'un moment, tu oublies que, enfin, que t'es toujours au-delà de tes limites. Mais ouais, on se suradapte tout le temps, on essaye de comprendre les codes, on essaye de s'intégrer, et c'est pas une position super facile parce que ça nous isole beaucoup, parce qu'on a beau faire énormément d'efforts. Hein. Il y a eu un moment où j'en ai eu marre d'essayer de comprendre. Je me suis dit, ben, les personnes qui sont pas autistes, donc les neurotypiques, ils ont qu'à aussi essayer de comprendre comment je suis et ma vie. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as décidé de démarrer ton compte militant et éducatif T'as pas l'air autiste? Ouais, en fait, j'ai commencé ce compte du jour au lendemain. C'est genre un déclic, une lubie. Parce qu'en fait, j'avais repris Dora Mouto, qui est la meuf du compte Tajoui, sur des propos qu'elle avait eus sur l'autisme, justement, disant que c'était une maladie qui s'attrapait à l'accouchement. À quel moment? Du coup, j'ai dit à plusieurs reprises, en fait, c'est complètement désinformé sur la question, et moi, en tant qu'autiste, je peux te dire que c'est pas le cas, enfin, c'est juste une neurologie différente, et en fait, dire ça, c'est être eugéniste. L'eugénisme, c'est, pour essayer de définir l'eugénisme, c'est dans une société, ne prendre que les personnes qui font partie de la norme, et les autres, on peut les laisser crever, quoi. Sélection naturelle, Voilà, quoi. sélection naturelle, et je lui ai dit que ses propos étaient super dangereux. Et en fait, genre, elle a pas voulu m'écouter, elle m'a donné à lire des livres de biologie. Mais la biologie, la science et la médecine, c'est toujours les meilleurs amis des institutions. Donc déjà partant de là, ça devrait être le moment où on se dit que justement, c'est pas forcément la bonne Voilà. idée, quoi. Et puis, c'était pas encore à la période où les gens avaient remarqué qu'elle était profondément transphobe, etc. Du coup, je me disais, en fait, je m'attaque entre guillemets à un compte qui est super applaudi de tout le monde, donc je sais pas quoi faire de ça. Puis finalement, j'ai créé mon compte pour justement pouvoir en parler. Et puis, je me suis rendu compte autour de moi, que ce soit les comptes militants ou que ce soit d'autres personnes autistes, qu'ils avaient la même vision que moi des gens qui nous excluaient dans leur discours. Et puis petit à petit, surtout cette année, j'ai enfin compris ma place sociale dans le militantisme en tant que personne handicapée, et pas seulement assignée femme, enfin genre d'être autiste dans cette société a beaucoup plus d'impact pour moi que d'être assignée femme, même si c'est important, mais genre je me sens plus exclue en tant qu'autiste qu'en tant qu'assignée femme. Et ça, comment est-ce que tu as l'impression que ça a fait évoluer justement ton féminisme? Disons que j'étais déjà dans une vision d'inclusivité et de convergence de lutte avec tous les écrits de, par exemple, Angela Davis sur l'intersectionnalité, l'afroféminisme et tout ça. Je m'intéressais beaucoup à ça. Et aussi sur l'écoféminisme. Puis même, ça faisait plusieurs années qu'en fait, je comprenais la convergence handicap-féminisme, mais
j'arrivais pas à le mettre avec des mots parce que justement on est tellement sous-représenté que j'ai l'impression que dès que j'ouvrais ma bouche, il y avait des féministes qui allaient être là, genre tu peux pas dire ça parce que tu dépolitises la lutte, tu vois. Mais alors que c'est justement lui ajouter une autre nuance, c'est juste la construire encore plus, quoi. Combien de fois le mot dépolitiser il me l'a été dit beaucoup trop de fois en fait. C'est que, genre, ça c'est vraiment un mot utilisé par des féministes valides en mode, je vis pas ce que tu vis, alors forcément ça existe pas, forcément c'est pour dépolitiser, forcément c'est une expérience personnelle qui peut pas se retrouver dans nos engagements. C'est comme la non-binarité, c'est comme la volonté d'abolir les genres en fait pour que tout le monde puisse s'exprimer comme il veut, que ce soit les femmes trans, que ce soit les hommes trans, que ce soit les personnes non-binaires. En fait, on devrait lutter contre la destruction des notions de genre et pas commencer à dire ouais, non, mais tu dépolitises la lutte trans parce que tu parles de non-binarité. Ben, excusez-moi, mais non, moi je suis pas dans ce délire-là. Et c'est pareil pour l'autisme. Il faut juste que les femmes, et souvent c'est des femmes cisgenres malheureusement, mais comprennent qu'en fait il y a des femmes autistes et que c'est pas écrit sur notre front en fait. Et que ouais, on a une expérience vraiment différente d'elle. Par rapport à la non-binarité, là, quand t'as pris ça comme exemple, c'est pas parce que tu dis que t'es non-binaire que t'invalides pour autant le ressenti ou l'expérience d'autrui. Et en fait, je pense que si on veut mener un combat utile contre l'hétéropatriarcat et toutes les institutions, les bons dominants qui se font des tapes sur l'épaule pendant qu'on se tape dessus parmi, ben, l'idée, ce serait peut-être juste d'être à l'écoute d'autres ressentis qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est aussi quelque chose qui s'est hyper vu avec le confinement, je trouve. Et que tu as aussi souligné sur ton compte Tape à l'érotisme, c'est le fait que ben, quand on dit qu'il y a des personnes à risque ou vulnérables, du moins plus vulnérables, il y en a, mais ça leur passe 3000 lieues au-dessus. C'est le moment idéal pour aller faire un barbecue, quoi. Donc comme quoi, le validisme, il se retrouve à plein de niveaux de la société. Et puis justement, tu as fait des prises de position dans ce sens qui, je pense, ont le mérite de vraiment thématiser ça. Et je sais pas si c'est quelque chose qui va ressortir quand tout ça sera fini, tu vois. Franchement, je pense que si on n'est pas les personnes qui le feront activement, il n'y aura personne qui le fera. Genre, si on n'ouvre pas notre gueule sur le validisme qu'il y a eu pendant le confinement, les valides, ils vont pas s'en charger, hein, vraiment. Ils trouveront toujours un moyen de parler pour eux, tu vois. C'est ça qui m'a énervée aussi beaucoup, c'est qu'en fait, voilà, j'ai pas encore le recul nécessaire, je pense, pour vraiment parler de tout ça, mais disons que les premières semaines, en tout cas du confinement, ben, je voyais énormément de soutien pour tout le monde, sauf les personnes vulnérables, sauf les personnes à risque. En fait, on n'en parlait même pas. Dans la tête de certains gens, en fait, les personnes à risque, c'est les personnes âgées, et de toute façon, elles vont crever. Mais enfin, c'est horrible déjà de dire ça, mais en plus, c'est pas du tout la réalité. Les personnes vulnérables, ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des adultes. Ça dépend de l'immunité de chacun, ça dépend de plein de paramètres de santé. Et aussi, les personnes handy sont beaucoup plus à risque que le reste. Pas seulement au niveau de leur santé, parce que j'ai vu aussi beaucoup passer ça en mode oui, mais pas toutes les personnes handy ont une maladie chronique, etc. C'est simplement l'accessibilité aux choses. Si t'es une personne handy isolée chez toi et qu'on te dit du jour au lendemain, va faire tes courses une fois par semaine avec un masque, et puis en fait, tu pourras pas aller acheter ce que tu veux, mais seulement les trucs qui restent, et puis ce sera angoissant, et puis tu devras rester calme, etc. Bah, une personne autiste, c'est pas sûr qu'elle aille se chercher à manger finalement, puis c'est pas sûr qu'elle arrive à faire toutes ces choses. Enfin, moi, je le fais, je l'ai fait la semaine passée, mais j'ai dû m'organiser mentalement bien en amont pour que ça soit fait. Et même, j'ai dû être épaulée de personnes valides sur Internet qui m'ont donné un peu la marche à suivre pour aller faire mes courses parce que
C'est un truc aussi que je faisais avec ma psy sur le fait que j'étais autiste. C'est qu'on faisait des listes de choses pour me faciliter la vie. Par exemple, comment aller se faire les courses, qu'est-ce qu'on doit faire en premier. Puis on faisait la liste de tout ce qu'on préparait, puis de quel chemin j'allais faire dans le magasin. Et puis je vais tout le temps dans le même magasin, hein. Je vais jamais dans un autre parce que ça va être compliqué pour moi. Non, c'est clair. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été thématisées autour du confinement, peu à peu, hein, petit à petit. Le fait que le confinement, c'est quand même globalement un privilège, à moins de vivre des violences intrafamiliales ou conjugales, ce qui arrive aussi. On parle beaucoup du personnel de santé et autres. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, les personnes à risque ou autres, à part leur dire « restez chez vous », il n'y a pas eu de grande prise de parole autour du fait qu'en fait, il y avait beaucoup, non seulement d'égoïsme, mais qu'en plus de ça, ça s'accompagnait d'invalidisme. Mais c'est ça, c'est... J'ai essayé beaucoup de me protéger et puis de pas trop regarder non plus, mais tu vois, les remarques en mode « le confinement, c'est une prison », enfin, genre des comparaisons comme ça, enfin... Et puis même, il y a des gens qui m'ont dit « ah, mais ça va dans ton 10 mètres carrés », ben oui, en fait, enfin, genre, je suis pas la première personne à plaindre, franchement, je suis dans cette situation... Et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui sont allés chez leurs amis, qui revenaient de chez leurs amis, qui ont fait je sais pas combien d'allers-retours, et je suis là, mais... Et ça, même dans le milieu queer, même dans le milieu féministe, et je trouve ça hyper violent, moi ça m'a hyper affectée, je pense que ça a affecté énormément de personnes handy et malades, c'est que, bah, en fait, même dans des situations critiques, vous n'êtes pas capable de vous comporter humainement bien. Enfin, genre, imagine, genre... Si les personnes à risque, c'était des femmes, mais n'importe quelle femme, bah là, peut-être que certaines féministes qui sont sorties, justement, et qui n'ont rien à foutre, ben, elles resteraient chez elles. Mais vu que là, c'est juste les personnes à risque, alors qu'on ne sait pas. Bref, j'ai plein d'idées qui viennent en même temps, mais ce que je veux dire, c'est que vu que les personnes à risque, c'est pas nous, ben... C'est pas grave. Plus d'empathie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de l'empathie sélective, en fait. Et le reste, on n'écoute pas dès lors que ça implique de faire des sacrifices. Et je le dis avec des guillemets, hein, mais là, il n'y a plus personne. Moi, franchement, j'ai pas compris cette démarche. Parce que autour de moi, il y a quand même beaucoup de gens qui sont à risque. Donc, est-ce que ces gens, ils vivent dans une bulle? Ou est-ce qu'ils vivent qu'avec des gens qui sont 100% valides et qui n'ont aucune maladie ou aucun handicap pour se comporter ainsi? Ou alors ils n'ont même pas d'empathie pour leurs proches? Enfin, c'est des choses comme ça que j'ai pas du tout captées, en fait. Et effectivement, tu fais de ton mieux. Enfin, chacun fait de son mieux pour le confinement. Mais au bout d'un moment, il y a à faire de son mieux, puis juste se foutre de la gueule du monde et continuer à être des dangers publics, hein, et je vais dire danger public parce qu'il n'y a pas d'autre mot, enfin, au bout d'un moment, c'est pas... Faut pas prendre les choses à la légère comme ça, quoi. Non, c'est clair. Ça revient à ce dont tu parlais au début, du fait qu'il y avait la nécessité parfois de se retrouver, par exemple, dans des espaces pour parler et échanger autour de l'autisme, et c'est justement quand tu donnes des exemples comme ça, par exemple là, avec le confinement, que ça aide aussi à réaliser à quel point c'est important d'échanger avec des gens qui peuvent vivre la même réalité, en fait. Juste. Et puis, ça pose aussi la question de... Tu sais, on parle souvent d'espace safe, etc. Mais alors que, intra-communauté, il y a aussi plein de violences qui peuvent soit se reproduire, s'il y a des choses qui ont été intériorisées. Enfin, bref, il y a 8000 termes à affilier. Mais il y a aussi le fait que, dès lors que tu... n'écoute pas ou ne laisse pas de place libre à quelqu'un, ben c'est qu'en fait, t'es en train de l'exclure. Et c'est contraire à, pour moi, tout ce que j'ai envie de défendre avec mon féminisme. De toute façon, je trouve que, de manière générale, le féminisme blanc et valide et cis, c'est un problème parce que c'est aussi la non-volonté de voir
comme tu disais, les violences intracommunautaires, c'est se dire ah bon, on va laisser ça sous le tapis et on va pas le prendre en considération, alors que c'est des violences tout autant importantes et qui peuvent faire du mal que des violences faites par des hommes cis, hétéros, etc. Et c'est ce qui se passe notamment avec des personnes ou des femmes autistes. Il y a énormément de témoignages et énormément de gens qui ont eu le même vécu que moi, c'est-à-dire que les premières personnes qui les ont le plus harcelées dans leur vie, c'est pas des hommes cis, mais c'est des femmes valides qui ont été profondément violentes. Tu rentres pas dans la norme de ce que c'est que d'être une femme, ou ce que c'est d'être féministe, ou ce que c'est d'être de prendre la parole, d'être sociale, etc. Et tu vas te faire moralement maltraiter. Et de toute façon, la violence morale, elle est tout autant impactante que la violence physique. Du coup, il y a énormément de personnes autistes qui se retrouvent dans des schémas de domination morale et psychologique. Donc en fait, je veux bien... Enfin, j'étais une personne battue par des mecs cis, etc. Mais je peux pas militer que pour les femmes battues, je suis aussi obligée de militer de manière intracommunautaire pour les femmes et les personnes autistes qui se font harceler moralement tout le temps. Et ouais, je suis désolée, on va devoir regarder dans nos communautés, mais c'est comme ça. Enfin, genre, c'est pas parce que t'es une femme ou que t'es assignée femme que tu peux pas avoir des comportements néfastes pour quelqu'un d'autre, enfin voilà. Oui, et ça demande aussi de se regarder et puis d'accepter de faire faux. Mais est-ce que, en créant ta palette autiste, tu as l'impression d'avoir pu recréer justement du lien et que ça t'aide aussi à ressentir du soutien ? Bah ouais, mais carrément, mais en fait, dès le moment où j'ai activement été en recherche de personnes qui étaient aussi autistes comme moi, ben en fait, c'est un peu trouver tes pairs. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr que j'ai des amis, dont toi, qui sont pas autistes et on se comprend à 300%, mais sur le sujet de l'autisme et sur le vécu autistique, il manquait beaucoup plus de résonance avec d'autres gens, en mode « Ah ben ouais, ben en fait j'ai vécu ça, puis je vis ça en ce moment, et en fait je peux pas avoir de travail. » Et puis tu commences à déculpabiliser aussi de beaucoup de choses, parce que tu dis « En fait les gens, ils vivent pareil que moi, et ils galèrent tout autant que moi, et c'est pas juste que je suis nulle, c'est que je vis dans un système qui aide pas les personnes autistes. » Du coup c'est hyper positif de trouver enfin ses pères. Et t'as parlé au début du fait que l'engagement, il était au final dans beaucoup de pans de ta vie. T'as l'impression que c'est complémentaire aussi de pouvoir exprimer ça de plein de manières différentes, que ce soit avec des chansons, avec ton art et tes illustrations, ou avec ta palette autiste, où pour le coup c'est du militantisme pur et dur. Enfin, je sais pas trop comment dire ça sans... Comment exprimer ça, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs degrés, en fait. Et c'est ce qui me permet aussi, moi, personnellement, de me sentir bien. C'est-à-dire que je me verrais pas juste militer tout le temps, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, et puis je pose pas tout le temps, parce que ouais, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. À côté, vu que j'ai besoin de ma bulle, je vais créer de manière visuelle avec mes illustrations et tout ça, et ça va être plus un travail d'introspection. Et puis même quand je dessine, c'est plus un état méditatif que du travail. C'est pas du tout du travail pour moi. Et pareil, la musique, c'est souvent un état assez méditatif. Du coup, mon militantisme, il va se ressortir dans ce que je fais artistiquement. Parce qu'au début, je parlais du fait que je pense que c'est difficilement possible de faire de l'art pas engagé. C'est plus inconscient, disons, quand je fais de l'artistique, en mode les mots qui vont sortir ou les choses que je vais dire, elles vont venir de manière beaucoup plus inconsciente que sur ta palette autiste, où tout est hyper conscientisé pour que ça soit plus un travail d'éducation, un travail de compréhension, de faire comprendre les choses aux gens.
Alors que quand tu écoutes une musique, tu dois faire comprendre aussi ce que tu veux dire en une seule phrase, etc. Mais t'es pas obligé d'expliquer par A plus B pourquoi tu dis telle phrase à tel moment, tu vois. Mais souvent dans les milieux militants, un truc que je retrouve, ou même moi personnellement dans mon cadre personnel avec les gens que je peux côtoyer, je me retrouve à avoir la petite étiquette féministe. En même temps, je fais un podcast qui parle de ça et tout, donc ok, je veux bien, mais j'ai l'impression que des fois, qu'on va toujours venir vers toi pour te poser des questions. Et qu'il y a cette injonction à la pédagogie qui revient, et j'imagine que c'est un truc que tu dois ressentir aussi avec ta palette autiste, ou si quelqu'un ne comprend pas, va venir vers toi te demander, te solliciter, etc. Comment est-ce que tu fais dans ces cas-là pour dealer avec ça? C'est tout le temps de l'injonction à devoir expliquer, te réexpliquer sur les choses, pourquoi tu as utilisé tel mot, pourquoi pas un autre, pourquoi tu dis fétichisation, moi je comprends pas le mot fétichisation, alors que clairement la personne a juste à taper fétichisation sur Google pour comprendre de quoi je parle. Mais ou des fois je reçois des messages en mode ouais, si tu utilisais des mots moins compliqués, eh ben on comprendrait mieux. Alors que pareil, il y a Google et je le fais déjà, ce travail de démocratiser les mots. Il faut aussi que les gens y fassent l'effort d'essayer de comprendre, parce que je pense que ça soit moi et que ça soit d'autres, en fait, ce qu'on dit sur nos comptes, c'est quand même assez clair. Enfin, c'est pas, t'as pas besoin d'aller à l'université. Moi, j'ai jamais fait l'université ou de d'avoir fait telle école pour comprendre ce que je vais te dire. Et puis surtout que c'est du travail bénévole. Il y a un moment donné où c'est aussi beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas se respecter et c'est pas de respecter les autres que toujours demander d'avoir cette place de pédagogue, parce que en fait, on est surtout là pour expliquer nos ressentis et notre manière de d'interagir avec cette société qui nous correspond pas. Mais on n'est pas là pour toujours devoir expliquer qui l'on est, parce qu'en fait, on demande jamais aux personnes neurotypiques ou aux hétéros. Ou, imagine, tu demandes à un réalisateur, ouais, comment vous trouvez la représentation hétérosexuelle dans votre film? Vous pensez pas que c'est un peu trop poussé? Non, non, mais c'est clair. On dit juste ça, c'est normal qu'un gars et une meuf aient une relation toxique dans ton film, tu vois. Non, c'est clair. Ou quelqu'un qui couche avec quelqu'un du même genre, enfin, qui s'identifie comme homosexuel ou non, peu importe. On va peut-être entendre de la part de quelqu'un, ah oui, mais depuis quand tu sais? Mais à quelqu'un d'hétéro, est-ce que tu lui poses la question depuis quand il sait? Enfin, moi, personne m'a demandé depuis quand je savais, tu vois, enfin. Et encore, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une vision hyper figée de nous-mêmes et de nos désirs? C'est ça, et encore une fois, tu vois, c'est toujours ramener les gens à leurs conditions, alors que ce qu'on dit quand on parle de d'anti-validisme, d'anti-capitalisme, etc., c'est justement ne pas vouloir être mis dans une case. Et évidemment qu'on va parler d'autisme ou de syndrome d'Asperger ou de n'importe quel autre mot pour savoir de quoi l'on parle, mais c'est des mots qui ont été institutionnalisés par la médecine. À un moment donné, et c'est pareil pour le mot homosexuel, c'est pareil pour le mot transsexuel et ensuite transgenre, etc. C'est que des mots qui viennent de la médecine pour mettre des gens dans les cases en mode ah, cette personne n'est pas dans la norme, n'est pas normale, donc on va lui trouver un autre mot pour la mettre dans une autre case. Mais faut que les gens ils se rappellent pourquoi on lutte. On lutte pour la neurodiversité, on lutte pas pour mettre des gens des cases, qui est plus autiste que l'autre, qui sont les vrais autistes et ceux qui se font passer pour les autistes, parce que ça j'ai vu aussi beaucoup, et je suis là, mais ces gens n'ont rien compris en fait, on vit pour justement être qui l'on veut, et il faut arrêter de mettre 1 000 cases non plus, enfin genre, il y a des gens qui sont hyperactifs, il y a des gens qui sont autistes, il y a des gens qui sont simplement hypersensibles, et évidemment qu'il va y avoir des croisements dans les symptômes, et qu'il faut arrêter de vouloir faire la police de, ah ouais, mais cette personne n'a pas eu de diagnostic autiste, donc ce n'est pas, il n'est pas autiste, ben en fait, déjà c'est un Mais privilège. de nouveau, chercher une espèce de validation institutionnelle, demander la permission à
papa, que papa, ça soit la médecine, ça soit je sais pas qui, pour savoir si c'est bien ou mal. Toujours des termes hyper binaires. C'est ça, et toujours hyper dans la dualité. C'est que si tu penses de manière binaire, t'as déjà rien compris, parce que c'est comme les gens qui disent « je veux pas être végane » ou « je veux pas faire d'efforts écologiques » parce que c'est surtout au gouvernement de faire les efforts écologiques. Et c'est pareil pour, en ce moment pour le confinement, en mode « ouais, moi je sortirais pas si le gouvernement il avait pris des mesures plus drastiques avant, c'est de la faute du gouvernement, etc. 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 » Mais en vrai, oui, certes, les gouvernements devraient être beaucoup plus efficaces sur plein de points, mais faut pas oublier qu'on est régi par des connards et que si on veut faire changer les choses, ben faut attendre sur nous, et nous on a tous notre pouvoir personnel pour faire changer les choses et à notre échelle. Et plus on le fera à notre échelle, plus ça aura d'impact au-delà de nous-mêmes. Donc ce genre d'argument à toujours devoir trouver la validation du gouvernement ou des institutions ou de la médecine ou de je sais pas quoi, au bout d'un moment, non quoi. Parce que par exemple, pour le diagnostic autiste, en fait c'est un privilège de vraiment avoir un diagnostic autiste parce que il y a plein de normes sexistes et de racialisation, de racistes pardon, qui rentrent en jeu dans la médecine. Donc si t'es une femme et si t'es noire par exemple, tu vas pas du tout être diagnostiquée de la même manière que si t'es un homme cis blanc. Ça reste des choses hyper situées quoi. C'est ça, puis pareil géographiquement en fait, il y a que certains endroits où il y a des centres pour l'autisme, il y en a pas partout. Si tu vis dans un petit village, ben t'as très peu de chances de te faire diagnostiquer. Et même quand t'as un diagnostic, finalement tu vas toujours être vu par la médecine comme un trouble, comme un problème qu'il faut guérir en soi. Par exemple, j'ai une amie qui a du coup fait toute la démarche au CRA, Centre de ressources autisme, ici à Paris, et qui me disait, en fait, ils m'ont proposé d'avoir un cours de désensibilisation, ou je sais pas comment elle avait appelé ça, où en fait pendant une heure la personne elle va te faire toucher des trucs ou elle va te toucher la peau pour que tu te désensibilises de ton hypersensibilité au toucher des autres, etc. Et je dis là, mais suradaptation encore plus quoi. Voilà, est-ce que tu te fais diagnostiquer pour encore plus te suradapter ou est-ce que tu te fais diagnostiquer pour faire comprendre à la société que en fait ce serait bien qu'on soit inclus et que les choses s'adaptent à nous et pas tout le temps le contraire. Mais ouais, faut arrêter de voir les luttes sans la volonté profonde de détruire ce capital. Je suis désolée, si vous voulez pas détruire ce capital, c'est juste essayer de coller à une validation, enfin de coller à une norme et puis de nouveau essayer de rentrer dans un moule. Ouais, se faire valider par des gens qui à la cour de récré te harcelaient il y a 20 ans quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Et où en plus de ça, de nouveau, c'est demander la permission. Oui, la permission d'être quelqu'un, quelque chose, alors que ben non, enfin je fais ce que je veux et puis enfin voilà quoi, j'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai l'impression que parfois ça fait peur à certaines personnes de déjà, comme si c'était pas valide de changer les choses à son échelle, tu sais, déjà en, par exemple ça peut passer par des micro-politiques en fait, juste enlever les mots sexistes du quotidien, déjà ça. C'est... En fait, les gens, ils sont là, ils disent « Ouais, moi, tant que le gouvernement, il change pas, ben, je vois pas pourquoi je changerais. » Ok, mais tu sais, Emmanuel Macron, il veut pas ton bien, et il veut pas le bien de tes proches, et il veut sûrement pas le bien de beaucoup de gens, donc est-ce que tu veux vraiment attendre sur lui? Je sais pas trop, hein. Enfin, puis genre même, cette volonté de dire ouais mais si on vote pour une personne qui sera vraiment bien, mais même si une personne qui est présidente disons est bienveillante et safe, forcément elle va pas avoir le vécu de tout le monde, donc forcément elle devra s'entourer de gens qui ont des vécus différents et tout ça, donc on peut pas demander à une personne ou un gouvernement de faire ce travail de pouvoir personnel qu'on doit faire pour nous-mêmes quoi. Enfin, si je suis très claire. Je pense que c'est que en créant des nouveaux modèles, des nouveaux espaces, en étant inventif, en
revisibilisant d'autres choses, d'autres désirs, d'autres... Enfin, juste en diversifiant déjà rien que ça, qu'on peut peut-être vivre mieux et coexister mieux que ce qui est le cas actuellement avec tout ce que notre société implique en termes de validisme, classisme, racisme, sexisme, et j'en passe, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça prend du temps. Et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est hyper important de pas lâcher, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression, bon, surtout en France, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais bah, le féminisme, il s'attarde à... Je dis pas que c'est pas des sujets importants, hein, mais il s'attarde à Polanski, Adèle Haenel, les femmes battues, l'égalité, etc. Oui, c'est des sujets importants, mais c'est clairement pas la réalité d'énormément de femmes qui sont handies, qui sont racisées, qui sont grosses, etc., etc. Si t'ouvres pas tes œillères aussi, enfin, genre, tu peux lutter pour les femmes, mais si tu luttes pas pour toutes les femmes, alors tu vas forcément en exclure beaucoup. Et je pense pas que c'est ce que veulent les féministes, en fait. Enfin, j'espère pas. Ben non, c'est la nécessité d'une lutte pour tous et que tout le monde ait une place libre, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, à mon sens. On arrive gentiment à la fin et en général, je demande à mes invités si elles ont une recommandation particulière. Alors, peu importe, hein, ça peut être une activité, un compte Instagram, tu peux même te faire de l'autopub. Ah là là, et je pense qu'il y a énormément de trucs, en fait. Il y a de Nap Ministry, je sais pas si tu vois ce que c'est. Je crois que tu m'as envoyé ça quand j'ai pété des boulards à vouloir produire plein de choses. Ouais, de Nap Ministry, je sais pas si je dis très juste, mais c'est un compte Instagram, justement, qui est anti-capitaliste. C'est une personne qui a créé des workshops sur la sieste, en mode, on va inviter des gens, et puis on va juste dormir, et puis elle avait aussi genre fait une installation où il y avait juste un lit où les gens pouvaient aller dormir, et tout le compte Instagram c'est des phrases qui te poussent à prendre soin de toi et juste dormir et rien faire, en fait. Rien faire, c'est hyper important, et ça c'est une notion aussi que j'ai retrouvé pas mal dans l'autisme, c'est qu'en fait souvent on est un peu dans nos rêveries, on est un peu dans notre bulle et on fait rien, et ça nous est souvent reproché en mode ah ouais toi t'es dans ton monde et tout ça. Bah ça me permet de juste remettre les pendules à l'heure et puis d'être plus en cohérence avec qui je suis, d'une manière peut-être plus interne et spirituelle, j'en sais rien, mais en tout cas il y avait un truc qui était assez naturel chez moi et je pense chez beaucoup d'autistes, qui est important de garder en tête, de prendre le temps de juste rien faire et de dormir. Voilà. Bah oui, et de pas toujours être aussi dans un culte de la performance. C'est aussi beaucoup ce que cette société nous apprend, d'être toujours dans le contrôle. Et enfin, moi, ça a été mon premier réflexe avec le confinement et le fait de pas pouvoir garder mes routines habituelles. Hein. C'est... Oh mon Dieu, mais comment garder mon quotidien et garder le contrôle là-dessus? Tiens, produisons encore plus. Ouais. Donc oui. Mais moi, disons que c'était pas dans une question de produire, mais au début ça m'a frustrée parce que je me suis dit purée, ça fait un mois que j'essaye de tout mettre en ordre un peu dans ma vie administrativement, et là j'ai eu une sorte d'angoisse comme ça. Après je me suis dit mais on s'en fout en fait, et genre l'administration elle peut attendre tant que j'ai à manger, que je suis chez moi, et puis que je fais en sorte de pouvoir vivre ces 2 mois, enfin voilà. Non c'est clair, et est-ce que t'as d'autres... Tu sais quoi, je vais prendre mon ordi parce que je retrouve plus le nom. Du coup c'est l'occasion pour moi de parler de ma recommandation féministe, qui est un roman graphique qui s'appelle Les filles de Salem. Et qui parle en fait des sorcières qui ont été brûlées et de toutes les implications que ça a quand on pense ça en des termes féministes. Et bon, alors c'est pas un roman historique, mais il a le mérite de mettre en image, de raconter avec une narration cool la vie de ces femmes qui correspondent pas aux normes et pourquoi ça fait un moment que le patriarcat a un problème avec... Avec les gens qui sortent des cases, en fait. Tout simplement. Les personnes, quelles qu'elles soient. Ouais, ça a l'air trop bien. Mais d'ailleurs, par rapport à l'histoire de la chasse aux sorcières et tout ça, pour en revenir à ce que je disais avant, c'est que, ouais, c'est des femmes,
Mais ça n'a pas été que des femmes, ça a été aussi les personnes handicapées, et puis ça a aussi été les personnes racisées. Et ça, souvent, quand on parle de la chasse aux sorcières dans les milieux féministes, c'est pas du tout mentionné, c'est toujours les femmes, et souvent, ben, tu vois des femmes blanches, etc. Mais il y avait des femmes qui appartenaient à la norme, et puis il y avait les femmes misfit, et qui étaient souvent handies, et autistes, et racisées. C'est aussi pour ça qu'elles étaient brûlées, alors que les autres pas, enfin, tu vois. Non, c'est clair. Mais ouais, c'est très intéressant. Toujours grosse ambiance par ici pour ce confinement, hein. Et moi j'ai une recommandation, c'est la balade de Genesis et Lady J. En fait, c'est un documentaire qui a été fait en 2010-2011 sur Genesis P.O. Ridge et sa femme. Et je sais pas si des gens y connaissent, mais c'est en fait la chanteuse de Psychic TV. Et c'était un groupe hyper connu des années 80, 90, 2000. Et du coup, le documentaire, en ce moment, il est en libre. Enfin, on peut le regarder gratuitement sur Vimeo. Et c'est genre trop bien parce qu'en fait. Du coup, Genesis P.O. Ridge, c'est une femme transgenre qui est une artiste. C'est quelqu'un qui a hyper marqué la culture queer, qui a eu avec sa compagne tout un projet de vie, de performance artistique sur le fait de faire des chirurgies esthétiques pour de plus en plus se ressembler. Et fusionner entre guillemets. Et du coup, en faisant ça, elle s'est fait des implants mammaires et petit à petit, elle s'est fait appeler elle et elle se sentait bien dans cette idée de à la fois de faire sa transition, mais c'est parti d'une performance en fait qu'elle avait avec sa femme, etc. C'est hyper intéressant et c'est hyper beau comme documentaire. Enfin, genre, c'est hyper tourné sur. L'amour entre les deux, et donc je vous le recommande vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Bon, en tout cas, moi, je sais ce que je vais faire prochainement. Et en tout cas, merci beaucoup, Evan. Et du coup, on peut te suivre sur T'as pas l'air autiste, sur Instagram, OmuArt et Omu tout court. Ouais, grave. Merci beaucoup, en tout cas. Ça m'a fait Merci très à toi. plaisir. Moi aussi, ça m'a fait un plaisir. Bisous, bisous. Merci à toi pour l'écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui donner une bonne note sur ton appli de podcast préféré et surtout à t'abonner à ma chaîne histoire de pouvoir suivre le reste de mes contenus ou réécouter tous les anciens épisodes. Déchargés sur SoundCloud, Apple Podcast, bref, tu as l'embarras du choix. Merci à Décadré pour la collaboration et la diffusion. Encore merci à Evan et n'oublie pas que tu peux retrouver tout son génial travail artistique et éducatif sur toutes ces plateformes. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!